Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je vais faire l'entretien de mon compresseur. Alors, le compresseur, c'est un truc que j'ai depuis très longtemps, un modèle plutôt bas de gamme, pas très cher, 50 litres quand même. Et à l'époque, je l'avais acheté pour avoir une soufflette pour pouvoir nettoyer du matériel d'entretien de jardin, tondeuse, tracteur, etc. Il y a de l'herbe partout et en soufflant, c'est plus facile pour nettoyer. Et puis, depuis que j'ai cet atelier, je l'ai intégré dans l'atelier. Il est caché en dessous, ici. Quand j'ai installé cet établi qui fait 6 mètres de long quand même sur toute la pièce, j'avais prévu un emplacement ici sans étagère pour mettre entre autres le compresseur. Et je m'en sers très peu dans l'atelier, mais un petit peu quand même. Toujours les soufflettes, donc soufflettes longues, soufflettes courtes, selon les besoins. Et puis cette cloueuse pneumatique que j'avais achetée quand j'ai rénové toute une série de fenêtres en bois dans une maison. J'avais démonté tous les doubles vitrages pour refaire tous les joints qui étaient des joints silicone qui coulaient partout. Donc j'avais tout démonté, tout refait avec des joints modernes pour que les fenêtres repartent pour un certain temps. Et pour refixer les pare-closes, et ben sans une cloueuse pneumatique, avec un marteau, on a toutes les chances de casser les vitrages. Donc j'avais acheté, ça m'avait été très utile pour ça. Voilà. Donc je m'en sers de temps en temps, de ça, la soufflette un petit peu. Et mon compresseur, il va bien pour ce que je lui demande. Je lui demande pas grand-chose, donc du coup, tout va bien. Pourtant, il a des problèmes. Il avait un problème de pression déjà que j'avais à peu près réglé en bricolant un peu. Et surtout, il a un problème de fuite. C'est-à-dire que je le branche, il se gonfle, il arrive à pression à peu près à 8 bars. Et surtout, même si je m'en sers pas, et ben, au bout d'un moment, il se redéclenche parce qu'il a perdu de la pression. Donc ça veut dire que ça fuit quelque part. Et bah, ça veut dire que je ne peux pas le laisser brancher en permanence parce que sans ça, il démarre régulièrement de temps en temps. Et premièrement, ça consomme de l'électricité pour rien et en plus, ça fait du bruit. Donc, la solution que j'ai trouvée, moi, dans mon usage actuel, j'ai mis une prise avec une télécommande. Et puis voilà, quand j'en ai besoin, poum, j'allume parce que la prise n'est pas très accessible. Donc, je préfère le télécommander. Je l'allume quand j'en ai besoin, il arrive à pression, je m'en sers. Et puis, dès que j'en ai plus besoin, je l'arrête. Et puis, comme ça, il ne m'embête pas, il ne fait pas de bruit. Voilà, donc ça c'est la situation actuelle. Je vais le sortir de son logement qui est redevenu accessible depuis que j'ai un peu vidé cette partie-là de l'atelier et mon compresseur du coup redevient accessible. Je vais pouvoir le sortir assez facilement. Je vais le mettre sur l'établi, le petit établi, travailler à hauteur et puis je vais voir ce que je peux faire. Voilà, ça sera le sujet de cette vidéo. Entretien de compresseur et on peut dire un peu réparation même s'il fonctionne quand même, hein, mais voilà, amélioration. Voilà, comme d'habitude, il n'y a plus qu'à. Bon, déjà, on y voit un peu plus clair comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher. Je vais lancer la charge, je vais regarder à combien il arrive déjà, puis surtout je vais essayer de repérer où il peut y avoir une fuite. Voilà, donc je branche, je lance la charge, je mets ça en accéléré parce que ça prend. Oui, il est branché directement. Voilà, ça doit être ça. Ok, et quand on tire, le truc démarre. Bon, alors déjà, c'est pas mal parce qu'il atteint bien les 8 bars et il a atteint les 8 bars en 3 minutes 16, d'après ce que j'ai vu sur mon téléphone. Donc, ça, bon, c'est pas le problème hein, qu'il mette 3 minutes à charger. Je pense que d'ailleurs, c'est assez normal sur ce type de matériel. Ce qui est important, c'est qu'il se déclenche bien à 8 bars. Ça veut dire que le pressostat ici fait son travail. Il est correctement réglé puisque 8 bars est la limite de ce compresseur. Par contre, on voit que ça redescend déjà. Et en l'occurrence, vous ne l'entendrez sûrement pas sur l'audio. Je vais essayer d'approcher le micro. Bon, je ne sais pas si ça s'entend, je remets mon micro. Donc maintenant, il faut trouver d'où ça vient. Alors, pour l'instant, j'ai regardé, j'arrive pas à identifier, le sifflement est très très faible, mais on voit que ça descend quand même, hein, puisque là, en quelques minutes, là, je suis en dessous de 7,5. Et donc, je pense que déjà, je peux peut-être vérifier que tout est bien serré. Comme d'habitude, hein, moi, quand j'ai des sujets à traiter,
Je regarde sur Internet, je regarde des vidéos, des gens qui réparent des compresseurs, tout ça, différentes pannes possibles. Et un conseil qui revenait régulièrement, c'est de vérifier que tout était bien serré, parce que c'est un matériel qui vibre quand même pas mal hein, quand il fonctionne. Du coup, ça pourrait expliquer que certains éléments se desserrent. Donc, je vais vérifier ça. Celui-là, par exemple, n'était pas très serré. Il n'était pas complètement desserré non plus, il ne faut pas exagérer, mais alors celui-là est par contre pas très accessible. Il est serré. Là, ce n'est pas accessible, c'est caché derrière le carter. Et de l'autre côté, pas très serré, mais je me rapproche de 7,5. Alors il fuit pas beaucoup. J'ai l'impression que ça descendait quand même plus vite avant. Alors j'ai resserré celui-là quand même. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rebrancher ça pour rebrancher la soufflette et le faire redéclencher. Il est revenu à 8, mais là j'entends toujours la fuite en fait. Et là j'ai l'impression que du côté de la soupape, alors la soupape est bien serrée pourtant, mais clairement c'est par là que ça se passe. Ok, bon, le problème est clairement identifié puisqu'en y touchant, alors là ça fuit vraiment beaucoup. Bon, bah sûrement que la solution consiste à changer la soupape, hein, j'imagine. Je vais me renseigner et puis je reviens pour la suite. Bon, la soupape, c'est le petit truc qui est là, en bas du pressostat et qui permet de limiter la pression dans la cuve à une certaine valeur. A priori, c'est un compresseur 8 bars, donc c'est une soupape réglée à 8 ou 8,4. Je sais pas, j'ai vu sur Internet, j'ai regardé, il y a beaucoup de soupapes qui étaient à 8,4, donc je pense que le compresseur il est fait pour 8, le pressostat doit s'arrêter à 8, et si jamais ça dépasse, quand on arrive à 8,4, c'est la soupape qui libère. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais démonter la soupape, soit il y a un truc qui est mal mis, soit elle est foutue en fait, la soupape, et qu'il faut la changer, donc de toute façon il faudra la démonter. Donc je démonte, je vais regarder. Pour démonter, je vais d'abord prendre la précaution de vider la cuve, parce que j'ai pas envie que le truc me pète dans les mains quand je vais le dévisser. Donc voilà, je vide le compresseur et je démonte la soupape. Alors, ce qu'on voit, c'est que... Alors, déjà, ce qui est marrant, c'est que l'aiguille était pourtant à zéro. Vous avez vu l'air qui restait encore dedans, je vous laisse imaginer si on démonte ça quand on est à 6 ou 7 bars. Ça doit être violent. Ce que je constate, c'est que le joint, c'est une espèce de patch, je ne sais pas ce que c'est. C'est en tout cas le truc, il est vraiment pas terrible. Bon, après, est-ce qu'une soupape peut fuir? Je ne sais pas. Il faut peut-être que je démonte ça, je vais voir ce que je peux démonter. Bon, j'ai cherché un peu d'infos sur ces vannes de sécurité. C'est difficile à trouver, à part de dire que si ça fuit, il faut le changer. Bon, d'accord. Alors, quand on tire sur l'anneau, là, je ne sais pas si ça se verra bien, on voit que ça ouvre la soupape. Et en fait, c'est ce qui se passe. Il y a un ressort qui est réglé en fonction du calibre de cette soupape, donc un peu plus de 8 bars pour moi. Et en effet, c'est un système qui coulisse. On se dit que, bon, bah voilà, peut-être qu'il peut y avoir une fuite à l'intérieur de ça. C'est une première possibilité. L'autre possibilité, c'est le joint qui est là. J'ai cherché des infos pour savoir ce qu'il fallait mettre comme joint, impossible de trouver quoi que ce soit. Je vais peut-être poser la question sur Insta quand même, peut-être que je l'aurai. Mais en attendant, je vais tenter un truc quand même. Je pense que si je mets du téflon et que je resserre ça, le téflon normalement en termes d'étanchéité, c'est plutôt pas mal. Donc je tente ça, c'est juste un essai. Puis je me renseignerai pour savoir ce qu'il faut mettre vraiment. Monter la soupape, je redémarre le compresseur pour qu'il charge. Bon, j'avais remis en pression et donc il arrivait à 8 bars. Ça fuyait très légèrement. Alors la caméra n'était pas allumée à ce moment-là, c'est dommage.
Donc j'ai touché la soupape pour voir ce qui se passait, et d'un seul coup la soupape s'est vidée. Alors bon, c'est le rôle de la soupape si je tire dessus, hein, mais elle s'est vidée, elle est restée coincée ouverte. Bon, bref, en gros je pense que la soupape est morte. Ça n'avait pas l'air de fuir au niveau du joint Teflon que j'ai mis, mais je pense que quand je vais racheter une soupape, il y aura un joint fourni avec, j'imagine. Et comme ça je verrai clairement ce qu'il faut. Donc je vais commander une soupape, et puis je reprendrai la suite de ma vidéo plus tard. Alors, la soupape est commandée, elle arrive normalement demain. En attendant, j'ai acheté ça, de l'huile pour faire la vidange du compresseur, qui est une sorte de moteur qui marche à l'envers, si l'on peut dire. Le moteur tourne et des pistons fabriquent de l'air, mais donc ça fonctionne un peu comme un moteur. Et donc, de temps en temps, il faut changer l'huile, donc une vidange, comme sur un moteur de voiture. Et je vais faire ça. Autre élément d'entretien à faire, purger la cuve pour enlever l'eau qui peut se déposer. Quand l'air est comprimé, l'humidité de l'air se condense, ou je ne sais pas quel terme il faut utiliser, et ça fait de l'eau dans le fond de la cuve. Il faut le vider de temps en temps pour éviter la corrosion. Et troisième entretien à faire, le filtre à air, qu'il faut, bah, comme tout filtre à air, nettoyer de temps en temps, enlever la poussière. Et quand on est dans un atelier, de la poussière, ce n'est pas ce qui manque. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais d'abord vider l'eau, puis le filtre, puis la vidange. Voilà, c'est parti. Alors, pour me faciliter l'accès à la valve de vidange en bas, j'ai surélevé un peu le compresseur, j'ai glissé un petit récipient pour récupérer ce qui va couler ou pas. Je ne m'en suis pas beaucoup servi depuis que j'avais vidé la cuve, donc il ne doit pas y avoir grand-chose. J'ai vidé la pression le plus possible. J'ai vidé par la soufflette et par la soupape pour qui est quasiment zéro. Là, il n'y a quasiment plus rien qui sort de la soupape. Et donc maintenant, je vais pouvoir ouvrir et voir ce qui coule. Et en l'occurrence, rien. Je pense que ça devrait déjà couler. Et eh bien, il n'y a rien qui coule. Voilà, comme je disais, ça a été vidé il n'y a pas très très longtemps, donc je m'en suis très peu servi. L'air n'est peut-être pas très humide non plus dans mon sous-sol. Ce qui fait que là, pour la démo, je n'aurai pas grand-chose à vous faire voir. Donc ça, c'était la première étape. Deuxième étape, le filtre à air. C'est un filtre à air comme tous les filtres à air. Hein, une boîte. La vis est partie, mais je vais la retrouver. Avec à l'intérieur une petite mousse. Bon, pareil, hein, elle n'est vraiment pas très sale. On va lui mettre un petit coup d'aspirateur quand même. Et donc, il n'y a plus qu'à le remettre en plat. Et voilà pour la deuxième étape. Troisième étape, vidange. Alors, c'est ici que ça se passe, bouchon de remplissage là, bouchon de vidange ici, voyant de niveau là. Alors je ne sais pas si dans la vidéo on voit, mais il y a un rond central et le niveau d'huile il est légèrement au-dessus du rond, il est à peu près là. Et donc ce niveau il est normal. Pour ça il faut une clé pour la vis qui est là, il faut un récipient pour pouvoir recueillir l'huile. Ici j'ai fait une petite découpe pour que ça passe. Il faudra pour remplir des entonnoirs à la bonne taille, donc là j'ai plusieurs modèles. Et puis de l'huile, j'ai acheté ça ce matin, une huile spéciale compresseur. Je ne sais pas trop ce qu'elle a de spécial, mais bon, c'est de l'huile. Alors il faut, pour que ça coule bien, il faut ouvrir le bouchon tant qu'à faire et dévisser ici. Alors je vais prendre une autre clé. Bon, je crois que mon huile était vraiment plus bonne, hein, vu comment ça coule. Elle a l'air très épaisse, mais ça coule pas vite. Alors, si je le penche un peu, est-ce que ça coule mieux? Un peu mieux, mais ça coule toujours pas vite. Hein. Je pense que mon huile est vraiment plus bonne du tout. Bon, je mettrai les images en accéléré, parce que là, je pense qu'il y en a pour un moment. Bon, ça a plus l'air de couler. Alors ce que je fais, c'est que j'essuie en fait pour voir, parce que ça coule tellement lentement que je voyais pas grand chose. Donc là oui, j'essuie et voilà, il y a une goutte qui arrive là, mais enfin voilà, je vais considérer que c'est vide et je vais remettre la vis. Voilà, donc faut serrer, j'imagine pas trop fort non plus, hein, c'est un joint,
voilà ce que ça représente comme huile. Et vous voyez que l'huile, elle est vraiment noire et très épaisse. Je ne pense pas qu'elle soit comme ça dans le bidon que j'ai acheté. Et là, il faut que je fasse un mea culpa quand même. Ce compresseur, il est estampillé sur, il y a une étiquette sur le côté là, c'est marqué 2008. Moi, je l'ai acheté donc en 2008 ou 2009 dans ces eaux-là, je ne me rappelle plus précisément, mais ce n'est pas très grave. Ça veut dire que ça fait quasiment 15 ans. Et honnêtement, je n'ai jamais fait la vidange de ce truc-là. Je sais que c'est pas bien, mais je suis là pour raconter la vérité dans ma vidéo, pas une belle histoire. J'ai jamais pris le temps ni l'intérêt de voir ce qu'il y avait à faire sur ce compresseur. Maintenant, je peux dire que je le regrette, mais bon, j'essaye de réparer un peu mes manquements sur ce sujet. Donc, ici, j'ai vidangé, je vais remplir. Je pense que là, vu comment l'huile est épaisse, il en reste forcément sur les cloisons, tout ça. Et ce que je ferai, par contre, c'est une vidange dans pas longtemps, pour espérer nettoyer un peu l'intérieur. Je vais aussi me renseigner pour savoir s'il y a des produits qu'on peut utiliser. Je sais que dans certaines voitures, il y a des gens qui décrassent un peu tout ça avec du gasoil, enfin du diesel. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, je vais essayer de me renseigner. Je l'ai entendu, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Ou si vous connaissez un produit qui permet de bien nettoyer le circuit d'huile, je suis preneur. Je remets le compresseur de niveau et puis je fais le plein du réservoir. Alors, je pense que je vais utiliser cette taille d'entonnoir. Ouais, je pense que c'est pas mal. Le voyant du niveau, il est là, donc il faut que j'arrive en haut du cercle rouge. Alors, je ne sais absolument pas quelle quantité ça représente. Bon, je vois ce qui a coulé lors de la vidange. On va y aller par étapes. Ah, alors là, j'en ai pas rajouté beaucoup et je pense que j'en ai trop. Alors, c'est pas très grave parce que du coup, comme je voulais vidanger un peu le truc, je vais revider un petit peu l'excédent. À 200, c'était largement en dessous. J'en ai rajouté un tout petit peu et je suis largement au-dessus. Donc, ça doit être assez sensible. Je vais du coup vider un petit peu. Voilà, je suis un peu au-dessus du cercle rouge. Et au moins, l'avantage d'avoir fait ça, c'est que je vois que ce qui coule, c'était beaucoup plus clair. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, ça va, c'est pas trop sale. Il reste pas trop d'huile ancienne. Voilà, bah normalement, c'est bon. J'essuie un petit peu tout ça. Je remets le bouchon ici. Il va falloir que je nettoie un peu tout ça parce que autour, c'est très poussiéreux. Donc, si je veux pas que ça... Et la mauvaise idée de rentrer à l'intérieur. Je vais nettoyer, mais bon, à l'endroit où il est, mon compresseur, il prend la poussière. Il n'est pas loin de la scie sous table et de la défonceuse, donc même s'il y a une aspiration, il y a de la poussière quand même. Voilà, c'était la troisième étape, vidange du compresseur. Bon, et bien, pour valider ces étapes, je vais procéder au gonflage, revenir à 8 bars. Bon, j'ai toujours pour l'instant le problème de fuite. Et normalement, demain, je reçois la soupape. Et bien voilà, il est plein, donc 3 minutes 30 à peu près encore pour se charger à 8 bars. Bon là, pareil, il redescend très rapidement, donc ça doit toujours fuir quelque part par là. Ouais, à peine je touche la soupape, on sent qu'elle est prête à fuir. Ça ne fuit pas en dessous, j'ai donc bien resserré, ça ne fuit pas derrière, tout a l'air d'aller bien. Voilà, donc maintenant, bah, il ne me reste plus qu'à changer cette soupape. Et normalement, le compresseur, il sera reparti pour un tour. Et bien voilà, la soupape est arrivée. Enfin, j'espère que c'est ça. Et voilà une soupape toute neuve. Bon, évidemment, il y a
Pas de notice, rien. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme joint? Je ne sais toujours pas. Alors, quand j'ai posé la question sur Insta, je vous mets les réponses. J'ai eu deux réponses. Une réponse qui me dit joint torique. Mais joint torique, encore faudrait-il avoir un appui? Je pense pas. Et on m'a dit téflon. C'est ce que j'avais essayé là. Donc, je crois que je vais repartir sur du téflon. Donc, je vais démonter l'ancienne soupape. J'ai bien vidé la cuve avec la soupape et tout. Cette fois-ci, il n'y a vraiment plus rien. Je démonte ça, je refixe ça et puis je reteste. Bon, la soupape est en place. Je relance le gonflage du compresseur et puis on voit ce qui se passe. Alors, j'entends rien déjà, c'est bon signe. Donc, bon, je vais couper la vidéo, je vais le laisser reposer et puis je vais voir si ça baisse ou pas. Alors, on est presque 3 heures après. Il est descendu légèrement, assez rapidement. Et il s'est stabilisé, il est quasiment à 7,5. Et ça bouge plus là depuis 2 heures. Donc je pense que c'est réparé. Je verrai bien par la suite, mais en tout cas, ça descend plus comme ça descendait. Donc là, ça n'a pas l'air de bouger. Je pense que c'est bon. Alors je voulais rajouter un petit truc en plus, un réglage qu'il est possible de faire sur un compresseur que je n'ai pas à faire, puisque moi, vous voyez qu'il est gonflé à quasiment 8 bars. Pressostat déclenche correctement, au bon niveau. Il s'arrête à 8, et puis avec l'équilibrage de la pression, il descend à 7,5. Et après, il ne bouge plus. Et dans ce pressostat, il y a un réglage à faire. Alors ce réglage, il est fait en usine, et normalement, il ne faut pas trop y toucher. Bon, moi, je ne vais pas avoir à y toucher, donc je n'ai pas grand mérite. Mais si jamais votre compresseur se déclenche, alors quand on ouvre ça, il faut couper le courant. Là, les fils sont accessibles. Ça, c'est le pressostat. Le principe, c'est l'interrupteur ici qu'on actionne avec ce bouton rouge. Hein, on le tire pour déclencher le compresseur. Et ensuite, à l'intérieur, il y a un système de pression. Il y a un petit tuyau derrière qui vient de la cuve et qui indique l'information de pression dans la cuve, qui fait que l'interrupteur se déclenche. Vous voyez qu'il y a un gros ressort ici. Et ce ressort, justement, il est calibré pour que, à une certaine pression, quand la pression devient insuffisante, l'interrupteur s'enclenche. Quand la pression arrive à 8 bars, l'interrupteur se déclenche. Ça, c'est le principe du pressostat. Et si jamais ça se déclenche pas comme il faut, c'est-à-dire pas à 8 bars, mais peut-être qu'il s'arrête avant, à 7,5 ou à un peu moins de 7,5, ou au contraire, s'il se déclenchait au-dessus de 8 bars, faut pas rigoler avec la pression dans les compresseurs parce que bon, la cuve elle est validée pour 12 bars, hein, donc il y a de la marge, mais quand même faut faire attention. Ici, vous avez une vis sur le dessus, c'est la vis qui fait une sorte de précontrainte sur le ressort, et c'est ça qu'on peut régler. Sur le dessus, il y a un plus et un moins, c'est-à-dire que quand on tourne dans un sens, on fait plus, dans l'autre sens, on fait moins, et on va pouvoir en jouant sur pas grand-chose. Moi, je l'ai pas fait, mais je l'ai vu faire dans des vidéos. Faut vraiment pas tourner un quart de tour, je pense. Lancer un essai, c'est-à-dire vider la cuve pour qu'il se redéclenche. Ça se regonfle et on voit à combien ça s'arrête. Si c'est pas assez, on retouche le réglage et on recommence jusqu'à avoir la bonne valeur. C'est un réglage possible sur un compresseur. Peut-être que vous n'aurez pas à le faire si tout va bien et que c'est la bonne valeur qui est indiquée au moment de l'arrêt du compresseur. Sans ça, et ben vous pouvez jouer là-dessus. Et dernière chose que je voulais indiquer, c'est quand on fait la recherche de fuite sur un compresseur, moi j'ai réussi à l'identifier, c'était assez facile de voir où ça fuyait au niveau de la soupape, mais si on a plus de mal à trouver, il y a la technique du tuyau. La technique du tuyau, c'est vous prenez un petit tuyau en caoutchouc, n'importe quoi. Bon, moi, c'est un vieux bout de tuyau de compresseur, justement, qui m'a servi à plein de choses. Donc, j'en ai recoupé un petit bout. Et vous faites comme un stéthoscope. C'est-à-dire que vous mettez une extrémité dans votre oreille. Alors, il faut que le diamètre corresponde, bien sûr. Et avec ça, vous pouvez, en visant aux endroits où ça peut fuir, vous pouvez entendre très facilement s'il y a une fuite. Ça fait un amplificateur, si l'on peut dire, audio. Et ça marche vraiment bien. Bon, là, en l'occurrence, j'avais fait sur un autre compresseur il y a longtemps. Là, j'ai pas eu besoin parce que c'était facile à trouver, mais ça peut servir. Parfois, quand la fuite est vraiment très très légère, on a du mal à l'entendre, surtout si vous êtes dans un environnement où il y a un peu de bruit de fond. Ça peut aider. Voilà, donc un truc à connaître. Ça coûte pas cher et ça marche bien.
Une petite amélioration qu'on peut faire aussi sur un compresseur, alors certains compresseurs sont équipés d'origine de ça, c'est de mettre un robinet ici pour fermer la sortie d'air de façon à pouvoir brancher et débrancher les outils sans avoir de pression dans le tuyau. Ça évite d'avoir à forcer. Alors on peut à chaque fois avec ça baisser la pression, mais c'est pas très pratique et on n'a pas forcément envie de le dérégler. Donc du coup, il y a des petits adaptateurs, je vous mets une incrustation d'image, des petits robinets. J'aurais dû le commander en même temps que la soupape, j'ai oublié, mais je vais le faire parce que je trouverais ça plus pratique. Dans les liens sous la vidéo, je vous mettrai un lien vers ce compresseur, puisque j'ai trouvé exactement le même, donc 15 ans après, sur Amazon, il est toujours en vente. Mercure 50 litres, 2 chevaux, et donc il se vend toujours. Et puis je vous mettrai un lien aussi vers cette cloueuse, qui franchement moi, m'a donné satisfaction. C'est un modèle pas très cher, par rapport à des modèles beaucoup plus chers, pour des clous plus gros, pour des plus grosses forces de travail. Elle fonctionne sur 7 barres. C'est mentionné. Alors tous les outils automatiques sont toujours précisés avec une pression de service et il faut donc régler la pression de service avec ce réglage ici, le régulateur. Donc je vous mets le lien de ça aussi et puis deux trois autres liens, vous verrez, c'est sous la vidéo en dessous. Alors la conclusion de cette vidéo sur l'entretien et la maintenance de ce compresseur, eh ben c'est que j'aurais dû faire les choses bien avant et pas attendre comme ça aussi longtemps parce que franchement à réparer c'était pas grand-chose. Un composant à 12 euros, 11 euros, 60 quelque chose je crois, plus un peu plus de 3 euros de frais de livraison pour l'avoir en... J'ai commandé samedi, c'est arrivé lundi. Un peu de téflon, je remonte et le problème est réglé. Et ça fait des années que j'avais ce compresseur qui fuyait. Donc voilà, il faut essayer de se forcer parfois pour faire les choses bien. C'est ce que je fais aussi parce que je fais des vidéos et que bah, j'essaye de faire les choses un peu plus sérieusement que je pouvais le faire peut-être à titre personnel pour mon bricolage. Essayer de s'améliorer, ça fait pas de mal. Alors comme je disais dans l'introduction, ce compresseur, moi je m'en sers pas énormément, mais autant avoir un compresseur qui fonctionne quand même. Je vais sûrement me servir un peu plus aussi de la cloueuse. C'est vraiment un truc super pratique quand on fait des assemblages et qu'on peut avoir des clous qui restent visibles, mais qui sont pas gênants à certains endroits, quand c'est des dessous, des arrières de meubles, des choses comme ça. Et ben clouer, ça va très vite et ça permet de maintenir un collage très facilement. Donc je vais m'en servir, je pense, un peu plus pour ça. On le voit dans pas mal de vidéos, notamment américaines, où ils utilisent la cloueuse pour tout tenir. Ça a l'air quand même assez pratique. Il faut que je pense à l'utiliser un peu plus. La soufflette, bon, bah, c'est un truc vraiment utile quand on veut nettoyer des choses sales et qu'il y a de la poussière à filtrer un peu partout. Bah, la soufflette, on n'a pas vraiment fait grand-chose de mieux pour ça. Je remercie les deux personnes qui m'ont répondu quand j'ai posé la question sur Insta, parce que voilà, j'ai pas une grosse communauté sur Insta, allez voir mon compte hein, et abonnez-vous, ça fera un peu plus de monde. Mais voilà, il y a quand même deux personnes qui m'ont répondu, qui m'ont donné un avis, et ça fait plaisir de poser une question comme ça, un peu à la cantonade, et d'avoir des réponses. Voilà. Pas beaucoup de réponses, mais quelques réponses, et c'est toujours très apprécié de ma part. Voilà, c'était un sujet un peu particulier. Je ne sais pas ce que sera le prochain sujet de vidéo. Pour le savoir, bah, abonnez-vous à la chaîne, vous recevrez des notifications quand il y aura des nouvelles vidéos qui sortiront. En attendant, bricolez bien, vous faites pas mal, et puis à bientôt. Salut!